Épisode 4, réalité virtuelle. Une fois dans la salle des serveurs, Rosa se dirigea vers le panneau de commande pour sélectionner son mode d'entraînement et le lieu. Elle opta pour le mode recherche et sauvetage dans un hôtel égyptien. Elle se dirigea vers la chambre des transferts et activa la mission. On n'a rien de temps à l'aider dans le programme. Après les recommandations d'usage, elle prit la direction de l'hôtel. Elle était bluffée par la sensation qui l'habitait. Le soleil qui frappait son front, cette chaleur étouffante qu'elle connaissait si bien, pour y avoir vécu de nombreuses aventures. D'ailleurs, cet hôtel ne lui était pas inconnu, pour y avoir effectué de nombreuses missions par le passé. Le programme s'était mis en route. Elle devait sauver des civils virtuels, des mains de goût tout aussi virtuelles mais dont elle pouvait sentir et ressentir la douleur qui en résultait. Elle se lança dans la mêlée. Les ennemis apparaissaient toujours plus nombreux. Cet entraînement n'avait rien à voir avec sa petite remise en forme au creuset. Elle échoua, relança et cela dura plus d'une semaine jusqu'à ce qu'elle sorte victorieuse face au programme. D'ailleurs, pour fêter cela, elle ne put s'empêcher de passer chez le coiffeur. Il n'y a rien de tel qu'une nouvelle coupe pour un nouveau commencement. Puis, elle fut de nouveau provoquée par le conseil de Venise, car cet entraînement virtuel cachait un second objectif, celui de dénicher les agents prometteurs qui pourront faire face à une nouvelle menace. Dès lors, elle œuvrera pour les Templiers, mais aussi pour le Conseil de Venise. Prochain épisode.